Quand je sors de scène ou que je partage un compte sur Internet, assez souvent, on me demande si c'est moi qui l'ai écrit. Alors non, je n'écris pas mes comptes. Je raconte toujours des histoires issues de la tradition orale que j'ai découvertes, comme je pense la plupart des gens qui racontent, dans un recueil de contes. Oui, mais ces recueils, qui les a écrits? Dans quel contexte? Et pourquoi faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce 13e portrait, nous allons rester en Méditerranée, mais cette fois au Maghreb, pour découvrir une collectrice un peu particulière. Elle est surtout connue pour sa carrière musicale de chanteuse traditionnelle, mais elle a aussi à voir avec les contes de son pays. Il s'agit de Taos Amrouche. Quelques remarques avant de commencer. J'emploierai surtout le terme berbère pour désigner la langue et la culture mise en avant par Taos Amrouche, puisque c'est le terme qu'elle-même employait dans ses interviews, dans les années 60-70. De nos jours, le terme Amazir est davantage utilisé parce que c'est le nom que se donnent les populations locales, berbère étant vu comme un terme un peu péjoratif. De même, je parlerai de Taos Amrouche sans toujours mentionner son prénom chrétien, on y reviendra. Taos Amrouche est née le 4 mars 1913 à Tunis, dans une famille nombreuse, 8 enfants, dont un est décédé très jeune, une famille assez atypique. Ses parents sont algériens, kabyles, et ils se sont convertis très jeunes au catholicisme, ce qui était extrêmement mal vu. La mère de Taos Amrouche devait aller à l'église en cachette de sa famille et des voisins. Le couple finit par quitter l'Algérie pour la Tunisie, alors sous protectorat français depuis une trentaine d'années. Toute la famille reçoit la nationalité française, aussi du fait de sa religion. Taos Amrouche est le 6e enfant de cette grande fratrie et la seule fille. Autant dire qu'elle grandit dans un contexte où elle n'a pas beaucoup de liberté de mouvement. Elle reçoit, comme ses frères, un prénom de baptême français, son état civil complet est donc Marie-Louise Taos Amrouche. Elle fréquente l'école catholique, mais elle se trouve toujours en décalage avec les autres jeunes filles de bonne famille. De toute façon, ce décalage, cette impression de ne jamais être à sa place, c'est toute l'histoire de la famille Amrouche. Taos et son frère aîné Jean, de qui elle est très proche et qui deviendra écrivain, le constatent tous les jours. Ils ne sont pas considérés comme des vrais Français par les colons, malgré leurs papiers, leurs prénoms français, leur culture et leur religion catholique, ni comme des Tunisiens puisqu'ils viennent d'Algérie, et encore moins comme des Algériens ou des Kabyles, bien qu'ils en partagent la culture, puisqu'ils ont renoncé à l'islam. Grâce au travail de son père, employé des chemins de fer, Taos Amrouche obtient une bourse pour aller étudier à Paris. Le choc culturel, encore une fois, est brutal. Elle est dans un pensionnat et les religieuses n'apprécient pas du tout ses lectures jugées trop libres pour une jeune femme et, de toute façon, elle est encore une fois trop décalée. Taos Amrouche s'intéresse depuis 1930 au patrimoine oral kabyle que lui a transmis sa mère, Fatma Aït Mansour Amrouche, devenue elle-même une grande écrivaine. Elle retranscrit les contes, mais surtout les chants, qu'elle a appris à son contact. Taos Amrouche fait un séjour à la Casa de Velázquez, à Madrid, un établissement de recherche français, dans les années 40-41, pour rechercher, dans le patrimoine ibérique, les traces de la culture berbère. C'est là qu'elle rencontre le peintre André Bourdil, qu'elle épouse et avec qui elle aura une fille, la comédienne Laurence Bourdil. Pendant les années 60-70, Taos Amrouche se produit avec beaucoup de succès sur de très nombreuses scènes. Elle partage les chants kabyles reçus de sa mère, à voix nue, en costume, et elle n'aura de cesse de promouvoir cette culture. C'est devenu la mission de sa vie. À cette époque, la langue et la culture berbère amazigh ne sont pas du tout mises en avant par son Algérie natale, bien au contraire. Par exemple, l'Académie berbère, l'association que Taos Amrouche fonde à Paris en 1966, sera dissoute 12 ans plus tard, à cause des pressions du gouvernement algérien.
Un gouvernement qui refusera toujours de la programmer officiellement, y compris lors du Festival panafricain d'Alger en 1969. En 1966, Tao Samrouche publie Le Grain magique, son seul recueil de contes et poèmes berbères. On y trouve 23 contes, dont certains ont des structures très proches de contes types connus ici. Le Grain magique, qui donne son nom au recueil, est très proche de La petite fille qui cherche ses frères, des contes comme Les sept corbeaux. On a aussi des contes randonnés comme Le Pou et la Puce, qu'on trouve aussi par exemple chez Grimm. Certains contes sont devenus des emblèmes de la culture kabyle, comme La vache des orphelins ou Le chêne de l'ogre. Vous pourrez les écouter en ligne, j'ai mis les liens en description. On y trouve aussi un conte, Le chat pèlerin, qui, sous couvert d'histoire animalière assez banale, serait en fait une allusion à un épisode sombre de la colonisation, puisqu'il ferait allusion à un massacre perpétré par des militaires français. Ces contes mettent en scène les traditions kabyles, les vêtements, la nourriture, la vie quotidienne, y compris le recours ancien dans la noblesse aux esclaves noirs, désignés comme nègres ou négresses. On y retrouve aussi des formules traditionnelles, que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil, mon conte est comme un ruisseau, je l'ai conté à des seigneurs. Et c'est là aussi qu'on voit les paradoxes de Tao Samrouche et de sa vision particulière de la tradition orale reçue de sa mère, qui, rappelons-le, est sa seule source. Autant Tao Samrouche peut faire preuve d'une grande intransigeance vis-à-vis des chants qu'elle partage dans la langue berbère. Elle chante en costume traditionnel, à voix nue, dans une forme hyper épurée, presque plus pure, entre guillemets, que ce que font d'autres artistes qui ont toujours vécu en Kabylie. Autant les contes, à l'exception des formules d'ouverture et de fermeture, sont publiés en français dans un style très écrit, très littéraire, où les formes d'oralité ont quasiment toutes disparu. Le Grain magique est très bien reçu par la critique littéraire des deux rives de la Méditerranée. On reconnaît de façon unanime son travail minutieux, la beauté des textes et son engagement à défendre sa culture d'origine. Tao Samrouche dédie son recueil à sa mère, au point qu'il sera publié sous leurs deux prénoms, Marguerite Tao Samrouche, Marguerite étant le prénom de baptême de Fatma Aït Mansour Amrouche. Elle l'offre aussi à sa fille, Laurence Bourdil, qui en parle dans une interview de 2003, « À notre petite Laurence, qui te ressemble, qui me relaiera un jour comme je te relais. » Femme de radio, première romancière algérienne d'expression française, son roman Jacinthe Noire paraît en 1947, Tao Samrouche meurt le 2 avril 1976. Toujours dans la même interview de 2003 sur RFI, j'ai mis le lien en description, Laurence Bourdil décrit sa mère comme une femme au tempérament extrême, toute dédiée à sa cause de transmettre une culture de façon quasi mystique. Elle en parle comme d'une déesse Athéna qui sortirait de la terre de ses ancêtres. C'est un destin passionnant qu'il m'est impossible de résumer en quelques minutes, évidemment. Mais je vous ai mis en description tous les liens vers les articles, quelques interviews aussi, si vous voulez mieux connaître la vie, l'œuvre et l'engagement de Tao Samrouche et des autres membres de cette famille si singulière. C'est tout pour cette fois. Merci à celles et ceux qui soutiennent mon travail. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet ou sur ma page Tipeee. À très bientôt !